Salut à toutes et à tous, c'est Timur. On se retrouve sur Sons of the Forest. Depuis la dernière fois, j'ai pas mal voyagé. Je me suis rapproché d'un nouveau point d'intérêt. Et on va aller le visiter. Maintenant, je suis, par rapport à la plage où on habite, en tout cas l'endroit où on est, je suis plutôt à droite de l'île. Il y a des grottes au-dessus en plus, il y en a trois. Ça peut être intéressant. On va aller visiter ça aussi. Et puis après, on remontera pour voir ce qu'il y a au niveau de la montagne. Puisque je n'y suis jamais allé. Alors Virginia m'a accompagné sans que je lui demande. Elle est là, c'est cool. Par contre, le malheureux Kelvin, lui, est bloqué. Alors il est bloqué sur la petite île qui est au milieu de notre lac, figurez-vous. Il devait être là quand il y a eu le dégel. Et le gars est bloqué. Il sait pas nager en même temps, donc bah, c'est dur pour lui, il peut pas revenir. Qu'est-ce qu'on va faire sans lui, hein, franchement, ça va être compliqué. Je vois des petits points d'interrogation. Oh, ça a l'air bon. Ouais, ça passe tout seul. Génial. Et on se dirige vers le point vert. Qu'est-ce que ça cache? Ouais, j'ai faim et soif. Je vais me rassasier dès que je pourrai. Ça a l'air d'être là. Peut-être qu'on va bouffer leur truc là. Non, y a rien. Il y a un truc. J'avais placé l'arbalète. Mais c'était à quel niveau l'arbalète? C'était ça. Oh, il y a un gros, ouais. Bonjour! T'aimes bien ça? Il court, lui. Tu m'attaques? Tu m'attaques et tu te barres. T'es un marrant, toi. Le gros est mort. Pareil, il se barre. Et il revient. Oh, bah oui, c'est ton mari. Ah, t'es. Bon, je vais le laisser pleurer tranquillement quand même. Tu es dead. Ah, elle pleure beaucoup hein, quand même. Et ça, franchement, ça one shot, on dirait. Ah ouais? Oh, faut dire! C'était bien placé le tir. Là, j'en avais une. Là, j'en avais une autre. Ça va, les pleurs sont terminées. Ouais, ce que je voulais, c'était à bouffer, moi. Bon, sinon. On peut se faire avaler là. Hein. Voilà. Pas hésiter, c'est là pour ça. Y a un petit bras qui traîne. Si tu savais ce qu'on fait à ton corps, mais tu le sais pas, donc c'est pas grave. Une petite jambe et un autre bras. Ok, bah je vais me faire mon feu. Est-ce que ça veut dire ça, son cri qu'elle a appelé des renforts? Ouais, j'ai bel et bien l'impression qu'il y a du renfort qui arrive. Non, c'est juste un feu. Ah ouais, voilà. Ok. On allume ça. Oh, ça pleure de partout, mais c'est bon, quoi. Vous serez tranquille sans lui. Arrête de me déranger pendant que je prépare à manger. S'il te plaît. Et rends-moi mes flèches. Ah tiens, j'en ai trop maintenant. Bizarre. Donc, préparation du petit repas. On va se faire ça. 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 C'est beau. Qu'est-ce que t'en penses, Virginia? Attention au feu quand même, ça brûle. Ah bah, elle aime bien. Elle se régale. C'est bon, hein? Ouh. Le couple idéal. Non, mais je te juge pas, t'inquiète. Moi, j'attends juste que ce soit cuit. Je suis plus patient que toi. Et ça a l'air. Hop. Donc, c'est parti pour la régalade.
Équiper ou manger? À manger, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a une petite retenue quand il déguste ça. Et pourtant, ça le remet bien. Hein. Ça le remet très très bien. Faudrait que je prenne de l'eau avant de partir là-dessous, puisque je pense que ça peut être long. Et ma gourde, elle est pratiquement vide. Est-ce qu'on a de l'eau par ici? Ouais, regardez, il y a une petite mare, là. Donc c'est parfait, on va se servir. Non, non, non. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Les petits nénuphars et tout, c'est joli. On sait pas si c'est très propre. Mais c'est pas grave, le gars, il boit partout, ça lui fait rien. Il a une bonne constitution, on va dire. Ça, on en a trop. On va quand même essayer de vider celle-là aussi pour voir. Ouais, c'est toujours les mêmes trucs, hein, quand même. Et donc, je vais avoir besoin de la pelle pour ici. Ça doit être une trappe comme la dernière fois, j'imagine. Est-ce qu'on va l'apercevoir rapidement? Je vois un petit bout déjà, peut-être, là. Ouais, ça y est, c'est ça. Cet endroit-là. On est pile au bon endroit. Il n'y a pas de souci. C'est assez bien fait, ça. Hein. On s'y croirait. On a l'impression de vraiment creuser. Par contre, c'est un peu long. Voilà, elle se dessine. Ah, il y a quelqu'un. Cool. T'es où? Où te caches-tu, l'ami? T'es là. Essaie de m'attaquer, hein. Enfoiré, va. Pas grave, moi je descends. Donc ça, c'est maintenance B. Qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans? C'est très obscur. Ok, on entend un bruit. Ça va être le briquet, je m'en doutais. Ah, c'est inondé. Un petit peu comme dans le complexe qu'on avait fait la dernière fois. Je sais pas ce qui a causé cette inondation. Ça doit faire partie des mystères. Ah, il y a bouffé. Il y a de la viande. Un petit peu de viande. Ah, encore ça. Silencieux. Ah, cool. On a donc un silencieux maintenant. J'inspecte à peu près partout. Même pourquoi pas les tableaux, on sait jamais, il y a peut-être un truc caché. Hein. Oh oh. Ah là, on peut sauvegarder carrément. Ah, ça, ça fait que vous sauvegardez, vous revenez. Et vous pouvez reprendre à l'infini des trucs. Oh! Oh, yes! Arc à poulies. Excellent. Alors ça, c'est cool. L'arc à poulies, c'est parfait. Faudrait que je revoie ce que j'avais mis. J'avais fait 1. Le pompe. Logique. 2. Le gun. Je peux le recharger. D'ailleurs, je le fais. 3. La grosse hache. 4. L'arbalète. 5. Les bombes. Je vais mettre 5. Attends, il est où? Il doit être plus par là. Toi, je te mets en 5. Parfait. Ah, il est classe, hein.
Ça fait plaisir. Et je pense que ici, c'est bon. Je pense pas avoir loupé quoi que ce soit. Alors après, combien j'avais de flèches? Voir si j'ai assez. Là, j'en ai 20. J'en ai 19. Ouais, bon, c'est bon. Il en manque une à ce niveau-là. Et sinon, il y a celle-là. Bah, je vais utiliser celle-là en premier, puisqu'on peut les refaire à l'infini. Après, les autres, on peut les récupérer à l'infini aussi. Hein. C'est à la fois sympa et en même temps, bon, ça facilite quand même beaucoup de jeu. Faut l'avouer. Vous sauvegardez, vous revenez, vous sauvegardez, vous revenez, etc. etc. Et puis vous êtes fou. J'ai l'impression que c'est tout ici. Je m'attendais à plus. Mais enfin, j'ai cet arc. Et ça, c'est cool. On va l'utiliser, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Ouais, il y avait de la pluie et tout. De l'eau. Oh! Parfait. Ah bah, vous êtes content aussi? Ah, ils apparaissent sous mon nez. Ah, attends, je suis bloqué, par contre. Ah, ils se font décimer. Ah, oui. T'as osé taper, Virginia, c'est vrai? C'est vrai que t'as fait ça? C'est inacceptable. Tu l'as prise ou pas? Non, tu l'avais pas prise. Ah, il est bien, lui. Ah, lui, je l'aime. Ouais, dis donc. C'était pas très fair play, hein, de venir dans le dos comme ça. Alors ça, ça fait des ravages. C'est THE arc. Excellent. Je pense que je suis plus à 19 flèches. Par contre, j'ai dû en balancer une un peu dans le décor. Je crois. Hein. On a fait un vrai carton. Je revérifie. Je dois être à 18. 17 même. Mince. Ah non, c'est moche ça. Et ça m'étonne parce que j'avais changé. J'ai dû rechanger en cours de route. Ouais, enfin bref, voilà. On a vu. C'était bien. Ouais, j'ai vu. T'inquiète. Fera rien. Ils sont plutôt mauvais. J'aime bien l'arba aussi, hein, franchement. Je l'aime bien. Elle est puissante. Elle fait très très mal. Elle me défend, hein, la vache. C'est bien, ça. Elle me couvre. Une petite bâche. J'en avais plus, bizarrement. Qu'est-ce qui se passe, Virginia? Sur qui se tire comme ça? Là? Ouais, il y en a partout, mais tu les attires. Ah tiens, d'ailleurs. Le silencieux. Oh la vache. Cette arme... ça un peu. Trouvons quelqu'un à tuer. On va bien trouver. Mais faut avancer quand même. Je vais aller vers la grotte là-haut. La première là, ouais. C'est bien. Alors il y en a que j'ai pas faite, il me semble. Il y en a une que j'ai pas faite. Près de chez moi. J'ai peut-être eu tort hein, de pas la faire. Peut-être qu'elle était importante. Oh! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il y a un truc là. C'est une piste? Bizarre, hein? Ah, c'est un avion! Effectivement, donc c'est une piste. Il y a des pneus là, mais on peut pas interagir. Ah oui, regardez, il y avait ça aussi. Dur de viser avec. En tout cas de loin. Là j'ai usé plein de balles pour rien. Recharge s'il te plaît. Faut que j'en tue un.
Peut-être on va le faire à l'arbre. Il saigne? Oui, pas bien. Allez! Dis-moi ça! Incroyable! Ça résiste bien, hein! Je l'ai eu. Donc une espèce d'élan, je pense. Il en a fallu beaucoup, par contre. Après, je sais pas si je l'ai touché les autres fois. On récupère une peau. Beaucoup de nourriture. Une grosse carcasse, comme ça. Sympa. Il y a beaucoup d'écureuils et tout. Et oui, donc j'étais là. Et j'espère récupérer des choses intéressantes sur cette piste. Et on va aller voir l'avion aussi, bien sûr. Il y a plein de valises. C'est sympa ce coin-là. Bon, après, a priori, c'est des choses que j'ai déjà. Ouais, n'approche pas, casse-toi, t'as raison. Je vais aller voir autour de l'avion si jamais à l'intérieur il y a un truc spécial hein, à prendre. C'est possible. Genre la torche ou etc. comme il y avait avant. Il y avait un objet. C'était la torche ou c'était... C'était peut-être la machette qu'il y avait sur le premier. Sur l'avion. Hollow Springs. Ok. Il y a plein de billets encore. Super. On récupère beaucoup de fric. Ah. Veste en cuir. N'aie pas peur. Salut l'ami. Ah ouais, ils s'attaquent entre eux, on dirait. Voilà, toi t'es mort. Ah, bien joué. J'ai essayé de récupérer ma flèche. L'autre qui me jette des cailloux là. Ah, mais purée! T'as du bol toi. Voilà. Donc il y en a une qui est là. Et l'autre est perdue. C'est bien dommage. Faudra que je refasse le plein. Là, je l'ai balourde. C'est vrai que elle est bien, mais par contre, pas évident de viser avec. L'arc, on vise mieux. L'arc que je viens de récupérer, là. Il est top. Beaucoup de billets. Ah, j'ai perdu... Ouais, j'ai perdu une protection. J'avais pas rechargé, t'as eu de la chance. C'est ça, casse-toi. Bon, je pense que j'ai fait le tour de cet avion. Ils font bien les rouler boulets. Il va croire que j'ai peur de lui. Oh, je me casse, allez. Grotte, par là. Ok, a priori, on est plus très loin. Ouais, c'est là en face, je pense. Petite grotte perdue comme ça. Qui n'est pas bouchée par des planches. On va voir ce que ça donne. Il y a quelque chose là. Ah ouais, c'est vraiment une toute petite grotte. Un mec sur un trône. Et des caisses. Alors j'en ai déjà vu une parce que je suis remonté à l'avion.
J'ai visité la grotte qu'il y avait à côté. Et en fait, c'était exactement le même genre, sauf que c'était dans la glace. Mais en fait, ça faisait le même genre. Toute petite, comme ça, avec des caisses. Avec un squelette aussi, ou je crois plutôt des spéléologues, il me semble. Des explorateurs, quoi, qui étaient morts, là. Il y avait des chariots et tout. Donc, pas ultra intéressant. Mais peut-être à l'avenir, ça va être développé, je sais pas. Sûrement, hein. Du coup... Ouais, on va remonter comme ça. On va aller vers la neige. Vers le haut de la montagne. Alors, mine de rien, c'est vraiment haut. Hein. L'escalade est brutale, mais le gars fait ça en courant. C'est vraiment un athlète maintenant. Il te monte ça, mais tranquille. Regardez-le. Ça cavale, quoi. Même vitesse que quand il est en pleine. Et donc, on arrive pas très loin. Après, il y a encore une hauteur supplémentaire là-bas. Est-ce qu'on aperçoit quelque chose? Ah oui, il y a une grotte au-dessus sur un lac, peut-être gelé. Et après, une autre et encore un point. On va faire ce chemin. Il y a un nouveau point vert, là. En tout cas, c'est beau. Hein. Les hauteurs comme ça, c'est magnifique. Et là, je pense que je suis plus très loin de cette première entrée. Après, ça risque d'être à peu près comme ce qu'on vient de voir. Je sais pas, on va bien voir. Hein. C'est ici. Oui, en plus, il y a les mêmes traîneaux. C'était ça comme traîneau que j'avais vu sur l'autre. Donc en réalité, c'est même pas une grotte comme on connaît où on rentre par un petit interstice. C'est vraiment un truc ouvert. Hein. Et globalement, les trucs qu'on trouve, c'est même pas intéressant. À part les pièces. Pièces, c'est bien. Ça veut dire bombe. Mais sinon, bof, quoi. Ce qui fait que... Des valises, quand même. Ah non. C'est un rocher. Même pas une valise. Oh, un petit camp. S'il y a des valises, donc. Ça, ça fait longtemps que je l'ai pas trouvé. Un homme tout bleu. Je peux pas porter plus de cordes. Deux fils collectés, ok, ouais, des trucs de base. Ils ont vraiment exploré partout, hein. C'est fou. Oh, oh. Sans déconner. Mais non. Je peux voler? Attends, je vais sauvegarder avant. J'ai jamais fait, on sait pas ce qui va se passer. Ah, ça s'est posé. D'accord, on peut pas sauvegarder en plus. Ce qu'on va faire, on va se diriger vers la prochaine grotte. Je pense que c'est par là, hein, de toute façon. Ah, ça c'est trop cool. Et puis, comme ça, on avise. Je sais pas si on peut monter à pic. On peut monter à pic. Enfin, moi, je monte à pic, alors. Là, ça va être The Forest vu du ciel, puisque j'arrive vraiment au sommet. Sur une des pointes. Ouh là là. Impressionnant. D'accord. Waouh. C'est énorme.
Incroyable. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ah, ça permet quand même de voyager vite. Hein. Et regardez cet immense lac. C'est impressionnant. J'adore. Il est très bien fait. Mieux que sur l'opus précédent. Il n'y a pas photo. Là, on vole bien et tout. On vole longtemps. Alors, on sait pas trop où on va au final. C'est pas grave, on profite. J'aperçois quelque chose là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Oh, juste des rochers. Non, c'est top. Magnifique voyage. On peut redresser un petit peu. Ah, je pensais pas voler si longtemps en plus. Ouais, on peut se redresser et tout. Là-bas, regardez, c'est plus plat. Je vais voir si je peux me poser. La forêt est dense, hein. Ouais, c'est plat et dégagé. Oh, puis il y a un village. Ils ont jamais vu personne voler, je pense. Ah, on dirait un golf ici. Et ouais, on dirait un golf, ça. Ah, ils m'ont vu. C'est le green. On a trouvé le green. Olé. Ah oui, il y a même l'endroit là pour... Vous êtes jaloux. Attends. On va regarder où on est. On n'est pas loin du point vert. Ah non. Ah non, on a dérivé. Ok. On va aller voir ce point vert là. Donc là, on peut peut-être trouver des balles de golf. J'ai pas l'impression. C'est à cause de ça qu'il y a eu des discords. Hein. Je pense que c'est une histoire de joueurs de golf mécontents. Ça a dégénéré. Du coup, ils ont créé des mutants. Pour que tout le monde meure. Parce qu'ils étaient pas satisfaits. Ah, Virginia! Toi aussi t'as volé? Comment t'es arrivé là? Eh, d'ailleurs, faut que je lui donne des fringues. Comment je peux la filer ça? Comme ça. T'as vu ça, ce que j'ai trouvé? Je voulais te donner... Oh, un gros poisson, merci. C'est gentil. T'es gentil. Une robe ou bien un survêtement ou bien un ensemble cuir. Oh, ensemble cuir. Attends, robe. Ou non. Survêtement. Ensemble cuir, allez. T'es mieux comme ça. Ne me remercie pas, surtout. Oh, il y a un trou. Ah bah oui, c'est logique. C'est un ensemble cuir, mais avec toutes tes jambes, ça va pas. Allez, je crois qu'il est par là le truc. Il y a des animaux qui se baladent. Ça c'est plutôt des biches. Hein. Alors était-ce vraiment un village ce truc là? Ou simplement des rochers? Attends, je réenlève ça, faut que je regarde. Tout droit par là. Ok. Ah, je suis content de cette trouvaille. Je vais plus le lâcher. Hein. Je vais voyager tout le temps comme ça. Mais laisse tomber. J'espère qu'il disparaît pas par contre. Quand on rentre dans des endroits et tout. Ce serait moche. Hein. Et qu'il faut pas aller le rechercher. Oh, l'écureuil. T'as raison, casse-toi.
J'aperçois des véhicules. Ah, puis encore eux. Ah, ils sont gros. Ah, ils ont des protections. Ça doit être là. Ok. Virginia, où es-tu passé? Elle s'est encore barrée. J'aurais eu besoin de son aide quand même. Ça aurait été bien. Ça me jette des cailloux en plus. C'est très très protégé. Hein. Ça sert à rien, mais c'est bien. Tu bouffes ton pote? Victor, allez pas. Est-ce qu'ils ne m'embêteront plus? Rien n'est moins sûr. J'espère qu'elle sera encore là au retour. On va recreuser un petit coup. Ça nous dit de creuser là. Hein. Peut-être qu'on pourrait s'éclairer pour creuser. Parce qu'il fait pas très très jour là. Ouais, c'est mieux. Ah! Ça y est. Let's go. Encore une maintenance. Maintenance C. Bon, on les a faites dans l'ordre. Tu me laisses ouvrir, hein, s'il te plaît? On verra ça après, d'accord? Ok. Écoute. Non. C'était 5 ça. J'aime bien l'arba. Elle est rechargée, oui. Un bruit de machine. Là, il y a une zone. A priori, pas des masses de choses. Ah, et là, un appart en construction. Oh! Un revolver. Ok, intéressant. J'aime bien. Il doit être puissant. Ça fait un peu magnum. Vas-y donc. C'est bien vide, hein. C'est en construction, quoi, ici. J'ai rien loupé, hein. On récupère rien d'autre. Pas de carte ou de truc qui permet d'entrer quelque part. J'ai pas l'impression. Bon, ok. On va croiser les doigts pour que le delta soit encore là. Attends, il n'y a pas un endroit pour dormir là-dedans? Non. Je vais dormir dehors, alors tant pis. On va passer la nuit. Hein. Parce que là, voilà quoi. On voit que dalle. On dirait qu'il y a une espèce de petite neige. Ou alors c'est du pollen. Oh, il dormait, l'écureuil. Hop, petite bâche là. Je vais me faire taper dessus, je sens. Ouais, voilà, il y a encore un comme ça, là, qui saoule. Attends. Attends un peu. Je voudrais juste tirer. Il sent que je le vise. C'est ça, mange tes copains. Ah, j'ai pas dû le toucher.
Mal joué. J'ai tiré au-dessus, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on est là pour passer la nuit. Donc, on la passe. Hop. Ah bon? Ah, parce qu'il est dans le secteur, on peut pas dormir. Barre-toi, s'il te plaît. Ah, il est plus là. On l'entend plus. Je retente le coup. Ah, il est là. Il est là, il nous saoule. Ah, c'est toi. Non mais j'aime bien, c'est que les gars, ils viennent t'empêcher de dormir, mais après, quand tu les approches, ils se barrent en courant, quoi. Zéro respect. Je peux dormir, mec? Tu permets? Merci. Allez, on teste. Yes! C'est passé. Malheureusement, on a faim et on a soif. Mais on avait beaucoup de viande récupérée, donc moi je serais d'avis, peut-être, de se faire un petit feu tranquille pour repartir de plus belle. Ah, mon Delta est là! Ouais, j'y pensais plus, mais il est là. On va repartir de plus belle. Yes. J'ai remonté, puis je vais voler pour aller ailleurs. Carrément. Alors on se fait la blinde de trucs cuits. Toi t'étais bien cuit. Il est cuit. Ok. Je vais me récupérer la bâche parce que j'en ai plus. Et puis, Delta plane. On quitte le golf. Alors là, ça va être dur de monter, par contre. Peut-être simplement sur la petite falaise que j'aperçois là-bas en face. Puisque de toute façon, faut aller vers la plage. L'autre point vert est vers la plage. Hey, fais attention à ce que tu fais. Allez. Et lançons-nous. Alors attends, je vais poser le truc et regarder le cap. Voilà, c'est bon. Ah bah j'ai bien fait, c'est par là. Dans cette direction là. Hein. Oula, on peut pas passer avec les arbres. Attention, comme ceci. Let's go! Oh, on voyage, mais à une vitesse grâce à ça. Ça change la vie, hein. Là, j'ai fait la petite montée et tout, mais après, trop classe. On voit que l'océan est tumultueux d'ici. On entend le vent, c'est magnifique. Alors, il y a un truc qui m'intéresse, c'est le grand lac qu'on a vu tout à l'heure. Le lac de montagne, là, en altitude. Parce que je trouve que c'est sympa pour construire une base à ce coin-là. Attends, on va redescendre un peu parce que. On va commencer à tourner. Voilà. Comme ça. Ah, il tourne bien, hein. Ça tourne pas comme ça. Là, c'est rapide. Ouais, j'ai vu un truc sur le côté, là. Oh oui, c'est là. Attention, attention. Atterrissage en douceur. Il est nickel, l'ami. Il a fait ça toute sa vie. Donc là, il y a des trucs.
J'ai posé le delta en attendant. Ah cool, des piles, ça c'est bien. Ah, les piles, ça s'use vite, hein, mine de rien. Donc c'est toujours bon à prendre. Après ça, je peux pas, je suis full. Petite montre, petite pile. Et apparemment, on est full. Full en pile. Alors là, apparemment, c'est où ils sont arrivés. C'est leur port. C'est là où ils débarquaient le matériel, j'ai l'impression. Ils sont venus en hélicoptère. C'est des héliports. Il y a énormément de choses à récupérer ici. Il y a beaucoup de caisses. Beaucoup de caisses, mais pas beaucoup de balles. Peut-être là. Non. Qu'est-ce qu'il y en a comme grappin? Ça, j'en veux pas. Tu peux jeter. Hein. Ok, alors. C'est par là. Donc on y va. Derrière moi. Par là. Bon, alors sinon, j'ai revu ma base avec les entretoises. Merci pour le conseil. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Mais par contre, c'est vrai que cette base aussi, je la trouve pas terrible. Hein. Elle est dans un coin, finalement. Vu et revu, on va dire, maintenant. Et comme là, je suis en train de découvrir surtout l'aspect exploration du jeu, qui n'est pas terminé, en plus. Je me dis qu'une vraie base, peut-être qu'on fera ça, mais en coop, puisqu'on va faire une coop dans quelques temps avec Nicia, donc... autant se polariser là sur l'exploration, et plus tard sur une vraie base. Et c'est vrai qu'en plus à deux, ça sera plus simple, parce que tout seul, c'est pas évident. Ah non. Même avec l'ami Kelvin, mais moi en plus, comme il est bloqué sur son îlot... Est-ce qu'il n'y a pas de m'aider? D'accord. Oula. J'ai eu du lag. Il y a un truc là. Ça s'ouvre pas? Ça s'ouvre pas. J'ai un petit lag en rentrant. Peut-être qu'il y a eu du spawn d'ennemis. On va se méfier. Descendre. Ah non, c'est bouché. Encore un milliard de valises à fouiller. Toujours ces bruits inquiétants. Une valise avec des affaires. Rien du tout. Ah. Là, il y a quelque chose. On ne peut pas l'attraper. On s'enfonce. Ouh, il y a du sang. Attention. Une petite musique. Un passage par là. Porte bouchée. Pour l'instant, c'est plutôt vide, hein. Une chambre. Un lit. Ok. Tout.
cet endroit est vide. La musique est par là. Il y a du sang, quoi. C'est passé des trucs. Ah, encore ces histoires d'artefacts. Est-ce ça? On dirait, hein. Un artefact mystérieux qui se pose. Qui a peint ça? Ok. Une trace de sang, faut-il la suivre? C'est un cul-de-sac. On va économiser l'électricité. Ah! Eric Leblanc. Ah, ça c'est le premier. Ça c'est pour le premier The Forest. Eric Leblanc, ouais c'est ça. Pas mal. Pas mal du tout ça. Un petit clin d'œil au premier. La musique s'est arrêtée, c'est peut-être le signe de... Non. Ah, il y a un pendu, je l'avais pas vu. C'est glauque. Avec la mer là juste derrière. Me dis pas que c'est Eric Leblanc qui est revenu se pendre là. Hein. Allez, tais-toi. Je peux rien prendre en fait. Oh, il y a des balles. Beaucoup de balles. Oh, c'était quoi, un pompe? Plus rien porter de toute façon. Il y avait un pompe là. Un pompe qu'on aurait pu donner à Virginia. Quel dommage. Décrochons-le, le pauvre homme. On n'y arrive pas. Non, bah écoutez, j'ai l'impression que. C'est ça. Hein. Le petit lapin encore. C'est lui! Sortez! Ils nous envahissent. Les envahisseurs, il était dans l'artefact. Je suis venu par là. D'un seul coup, il aperçoit une autre pièce. Un doute. As-tu vu les coquelicots? Tu peux sauvegarder. Une impression étrange. Il n'était pas venu. Les croix brûlent les démons. Sûrement, si tu le dis. On aimerait voir les démons. Où sont-ils? Un bruit de gaz. C'est là. Non, bah cette fois je pense que ça y est, on peut passer là dans le trou. Ah ouais, ça ne me dit rien qu'il vaille. Ah mince, il faut un bras. Il faudrait que j'amène un bras, mais lequel? D'accord. On a trouvé quelque chose là. Donc là, il faut trouver un bras. La clé est un bras. Mais quel bras? Intéressant. Bon, on reviendra.
Et du coup, il y avait un autre endroit. Voilà, ça a aiguisé ma curiosité, j'avoue. Il y avait un autre endroit, et quand j'ai dérivé avec le delta, en fait, je ne l'ai pas rejoint. C'est un labyrinthe, ce truc. Bon, j'ai pas entendu de bestiole. Il faut ce bras, absolument. C'est par là. Je veux le bras. Donnez-moi ce bras. On entend des bruits de pas derrière soi. C'est très flippant, mine de rien. Même s'il n'y a rien. Sacré bunker. Et la sortie. Et pas par ici, elle est là. Ok. Eh ben disons, sacré truc là. Est-ce qu'on est loin? C'est là-haut, hein. En plus, il y a une grotte à côté. Peut-être le bras, il est dedans. Rah. Je sais pas depuis quand je tourne. J'ai pas de chronomètre. Ça m'embête. J'ai avancé un petit peu vers là-bas. On va essayer de trouver une toute petite hauteur pour planer un peu. Ça peut le faire, hein. Regardez, ça peut le faire, je dis. Là-bas, c'est encore mieux. Grâce au deltaplane, on peut voyager vite. Sauf si on se coince dans les arbres. Je vais partir d'ici. Là, c'est dégagé par là, et ensuite je tourne comme il tourne bien en plus. Ah non, on s'est reposé. Ah, puis il est tombé. Cette fausse joie. Ouais, tranquille. Ça va passer. On va s'avancer par là. Faut apercevoir un lac. Pour l'instant, je vois des chutes d'eau. Donc ça doit pas être là, ça doit être plus loin. Ah, c'est beau. Oh, il y a un village en dessous, là. Ah ouais, gros village. Autre village juste là. Marrant, c'est que je monte. C'est un hélicoptère, le truc. Petit ruisseau. Élève-toi, élève-toi, vite. Est-ce que ce serait là? Je vois pas de lac. Je n'aperçois pas un petit lac. Mais c'est vraiment génial de voyager comme ça. Oh, il y a une maison! Attends, attends, pose-toi, pose-toi. Pose-toi, pose-toi. Il y a une maison, arrête de faire n'importe quoi, pose-toi. Ok. Il y avait une maison. Un ancien village. Génial. Enfin, je crois. C'est nul, là, y a rien. Merde, on volait tranquille. Je vais regarder sur le plan où on est.
J'aurais peut-être pas dû me poser là. Ah, saleté, y'a que dalle. Pieux, tu parles, des vieux fauteuils dégueulasses. Ah non, c'est vide de chez vide. Quoi. Triste trouvaille. Ah, on est pas loin. On est pas loin. On a juste dérivé à cause de la baraque. C'est par là. Oh, il y a des croix. Je peux creuser. Alors la dernière fois, j'avais trouvé des croix aussi, j'avais déterré des cercueils, mais sans intérêt. Vraiment sans intérêt. Ça va être pareil. Ouais, voilà, ça faisait tissu, comme ça, pareil, exact. Exactement les mêmes. Si au moins il y avait un objet rare. Je veux dire, être venu à cette baraque là. Ça ferait plaisir de trouver un truc rare. Non, pas de la corde, on s'en fout ça. Ça, c'est sans intérêt, comme j'ai dit. Donc, tant pis. C'est là-haut. Let's go. J'ai peut-être loupé un truc, mais bon. Ça m'étonnerait, j'ai rien vu de spécial. Ah, je crois que c'est là. J'entends un drôle de bruit. Des gros bruits de sabots. Y aurait-il un monstre dans les parages, un gros truc? Chelou ça. Ah non, c'est ça. C'est l'élan. Alors ça c'est quoi? Ouais, casse-toi. Ah, il saoule lui. Il attaque mon truc ou je rêve là? Eh, c'est mon delta plant, il touche pas. Ah, c'est bien ça, je suis sur la grotte. Ah, ça tire. Ah, bah Virginia est de retour. Je sais pas où elle est. Où es-tu, Virginia? Ah, elle s'est pas fait taper dessus. T'as pas tapé, Virginia? Allez, crève. T'as assez saoulé. Moi qui respire comme ça. Virginia, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu te caches? D'accord, t'es un petit peu plus loin. Bon, écoutez. Oh, il y a du monde encore. Il me saoule. Hein. Il nous lâche pas la grappe. Je vais me poser là. Hein. Je vais me poser là. Ah, je vais perdre mes armures à cause de ces sales enfoirés. Ah, il y a des babies. Tu peux crever, s'il te plaît? Merci. Eh ouais, t'oses faire ça, toi. Attends, tu vas le payer. Je voudrais sauvegarder, c'est tout. J'ai perdu une armure, ça va, c'est pas énorme. Ah, là, du baby qui attaque, là, mais... Moi? Ah ouais. Ah
Ah purée, mais on voit que dalle. Ça te va, babies? Ah, il me saoule. Là, tu saoules, mais puissance 1000. Voilà, merci. Il faut sortir de ton arbre. Arrêtez maintenant. Et les babies aussi. Ils m'ont fait perdre je sais pas combien d'armure avec leur tout petit saut de merde là. C'est bien Virginia, tue-moi ça. Il y en avait je sais pas combien, c'était quoi ce piège de merde là? Mais ouais, mais ils sont partout quoi. Mais regardez, il y en a plein, mais c'est partout. Ah, ce que c'est dégueulasse. On aura bien douillé. Puis on te reconnaît pas, Virginia, comme ça, je sais pas que c'était toi. On a bien douillé. Voilà, j'utilise tout le reste. On va se refaire une petite santé. Et puis on va s'arrêter là, je vais sauvegarder. Comme ça, on réattaque la prochaine fois. À ce niveau-là. On n'a plus de flotte. Pas grave, on boit ça. Grosse réserve. Et on est presque à fond. Ok. Quel carnage. Ah ben il y en a encore un autre. Mais bon, bref, j'aurai le temps là. J'espère qu'en sauvegardant et en revenant, mon delta sera toujours là pour voyager rapidement ailleurs. Tellement top. Un des meilleurs trucs du jeu, franchement. Allez, pause. N'hésite pas. Merci l'ami. Et puis je vais sauvegarder là. Bah en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Puis je vous donne rendez-vous très bientôt. Allez, salut!